3000 joueurs en 4 jours, le Mondial des Volcans, troisième du nom, a rassemblé la grande foule des amateurs et professionnels de la pétanque sur la place des Buges. National doublette, doublette vétéran ou encore triplette pour le Mondial, le programme était à la hauteur de l'événement pour un rendez-vous désormais incontournable. Ce Mondial des Volcans est né avec une bande d'amis qui sont donc sur Clermont-Ferrand, donc entre en l'occurrence la pétanque des Cuellets, la pétanque des Cheminots et mes amis de la boule de centrale, et donc on a créé le Clermont Pétanque Auvergne, un petit peu en clin d'œil au Clermont Rugby Auvergne, au Clermont Foot Auvergne, vous voyez. Et donc on a décidé de dire de faire, qu'on ait fait les championnats de France ici, on a dit tiens, pourquoi pas faire un bel événement à Clermont-Ferrand pendant l'été, parce que la pétanque c'est quand même l'été. Alors vous connaissez bien sûr toutes les grandes manifestations, la Marseillaise, le Mondial de Millau. Donc on était un petit peu dans la lignée, on a dit tiens, on va passer derrière. Et ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, au départ, ça a été quand même très difficile. La première année était difficile à la fois financièrement, de trouver les bonnes personnes, les infrastructures. La ville a toujours suivi. La ville aujourd'hui est vraiment le partenaire numéro un. Et aujourd'hui, le Mondial de pétanque est une vraie réussite, faisant son trou au milieu des épreuves de prestige. Aujourd'hui, on peut dire que le Mondial des Volcans est réussi. Demain, on finit par le Mondial des Jeunes. Donc on aura toutes les catégories, à la fois féminines, masculines et les jeunes. Donc je pense que, écoutez, en espérant que le 4e, 5e, 6e, et bien après jusqu'au 30e, mais bon, je serai peut-être un peu plus vieux, donc on passera à autre chose. Moi, c'est la deuxième fois que je viens ici avec Fabrice Bouche. Rien à dire, hein. Franchement, c'est un des plus beaux internationaux de France. Avec le palais des sports à l'intérieur, c'est vraiment magnifique. Ouais. Au total, ce ne sont pas moins de 307 triplettes qui ont concouru, ce qui souligne le côté grand public de ce sport. C'est un sport, si vous préférez, la pétanque, ça reste populaire. Pour les grands joueurs de haut niveau, c'est vrai qu'il faut une hygiène de vie, il faut beaucoup de... c'est comme un sportif de haut niveau. Mais autrement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est comme au Mondial, ce qui est intéressant, c'est qu'un petit joueur qui prend sa licence le matin, le soir, il peut jouer contre un champion du monde. Et si l'élite française était bien présente, c'est pour la deuxième fois consécutive que les Malgaches ont remporté la mise. Une triplette composée de Mandimbi, Mazzana Dracoto et Tonitsi Orana, qui portent bien leur nom de Brésiliens de la pétanque.